pause pour les 15, bien entendu, 40 minutes. Et c'est parti. Coup d'envoi donné par M. Van Ekon. Attention à cette erreur du gardien. Attention, attention, c'est toujours dans les pieds brésiliens. Une grosse occasion. Et attention, attention, c'est revenu. Et le premier but du Paul Hill à la grande surprise de tout le monde ici. But contre les Australiens. Une grosse erreur de la défense. Et un ballon qui a été mal capté par le gardien sur une frappe. Voilà le Paul Hill qui réalise la surprise ici. Qui sont à l'échauffement alors qu'il y a une balle ici intéressante. Attention ici, pris par Jack McDonald, Zachary qui se charge. Attention ici, peut-être égalisation là. La tentative de frappe de juste Alexandre qui ne trouve pas le cadre. Donc c'est frappé ici par Carbonis George. Directement mis dans la boîte. C'est mis dans la boîte. Et Hassen là-bas de l'autre côté, tout seul. Petrevski, Ilic, et tout seul, il va mettre de l'autre côté. Et but! Égalisation. Égalisation de Petrevski, Ilic, qui a frappé directement. Et voilà, finalement, il trouve le but. Donc les Iliens, malheureusement, qui ont tenu le score. Ils sont rejoints maintenant par les Australiens. Cross. On revient sur Axel qui met une balle pour Karounis là à l'intérieur et but. But pour Melbourne Victory qui finalement reprennent l'avantage sur cette partie. Belle tête là, et joli but, goal pour Petrevski, je pense, qui réalise un triplé. Sur cette équipe de Melbourne et sur cette équipe cyclée finale donnée par M. Khalid Myron. Les Melbourne Victory s'opposent 3-1 après avoir vraiment souffert lors de la première période et notamment sur la deuxième période. C'était tout d'abord, voilà, je tiens à féliciter mes joueurs parce qu'on a fait une grosse partie de la première mi-temps avec beaucoup d'intensité, c'est ce que j'avais demandé. J'avais demandé aussi par rapport à nos objectifs, c'est montrer un autre visage du premier match où on a eu du mal à démarrer. Et après, voilà, on a joué avec nos armes, avec ce qu'on a préparé. Et voilà, je suis quand même fier malgré le score, mais je suis quand même fier du visage, d'un autre visage qu'on a montré. Je pense que là, on a amélioré du premier match, on a réglé nos défauts. Et après, quand on a mené 1-0, on savait que c'était pas fini à la mi-temps. On savait que c'était pas fini. Après, voilà, Wellington et Melbourne, c'est comme une très grosse équipe. Et ils ont prouvé cette deuxième mi-temps. Mais félicitations quand même à nos coéquipiers. The words in the dressing room at halftime were: we were playing against a team today with a lot of passion and hunger to go and win the ball. And unless you meet that hunger and that passion, we will struggle to score a goal because we let one in. We did that second half we were fortunate. We got the first goal and then the two followed, some very, very good goals. But all respect to Lifu. They were very, very good today, very tough opponents, and they should be proud. Well, at the start of the first half, you know, we went ourselves. You know, we needed a lift in the second half, and when the coaches went out, grabbed all the boys, said, "Boys, we need a lift. This is where Melbourne Victory. We need to win this game and show Lifu and our fans that have travelled that we're here to win the game."